Yo, ma foi, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe TV Caraïbes depuis Mombasa Police. Soyez un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de travail, construction, tronçon route, Kafou Joffre, Port de Paix et nous pas oublier barrage Marion en tout. Mais avant de faire ça, équipe TV Caraïbes, je voulais remercier tout le monde qui est toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Ou toujours qui t'en commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Mombasa Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes. Eh bien, nous pas perdre de temps, nous déroulé avec information yo. On nous ouais. Travail construction tronçon route Kafou Joffre Port de Paix avancé. Plusieurs techniciens avec ministère travaux publics, transport et communication MTPTC a travaillé sur route ça. Y a coupé mon, y a fait terrassement, y a metté asphalte, nan yon l'idée pour finir travail là, nan yon temps qui pas trop long. Et l'autre information nous gagne pour direction département nord-est pays côté travail barrage Marion yo avancé, technicien mobilisé pour construire rapidement yon digue cap gain position pour kembe de l'eau. Et bien c'est information ça nous porter pour nous pas perdre temps, n'a commencé coulier. Travail infrastructure routière sur route Kafou Joffre Port de Paix avance très bien. Dans la zone nacelle, il y a plusieurs techniciens travaux publics, transport et communication qui mobilisent sur route là dans le cadre de travail. Côté à couper monde et puis faire élargissement. Dans la zone Kokoye, toujours sur route Kafou Joffre Port de Paix, il y a un terrassement à Kremble et puis rechargement qui continue à faire sur route là. Directeur départemental travaux publics, transport et communication, la Tibonite là, Blondo Odivin, dit qu'il est déterminé pour finir. À travail sur route ça qui te compte bail mon cap fréquenté en pile problème. Nous avons découpé, nous avons fait côté de mon pelle mécanique qui a coupé mon nom. Et normalement, nous avons pour nous lever juste en bas de la crête comme ça. Là, nous la serre, nous sommes allés à notre marose, des marose, nous prenons la serre pour nous voir la crête, c'est coupe nous là. C'est mon nom qui a coupé dans la hauteur de garder là. Nous avons gardé normalement, c'est mon nom qui a coupé parce que route là, normalement, c'est mon nom qui a passé. C'est mon nom pour nous couper, nous avons crasé, après ça, devant nous, nous boule deux cap travail pour nous couper mon nom pour nous vivre en bas de la crête. Dans la zone 3 poteaux, asphalte déjà commencé à mettre sous lit. Et puis, il y a une préparation qui a été faite sur toute longueur. Une façon pour continuer à asphalte là, sur route là. On est divisé en 3 équipes. Je dis à nos équipes asphalte là, cap prend de toi, cap prend de pont de l'eau blanc pour entrer en dedans pour Goumon. Là, nos 3 poteaux, asphalte arrivé 3 poteaux hier soir. Et nous continuons après, nous avons fait imprégnation là. C'est semaine net, nous avons fait asphalte jusqu'à ce que nous entrions dans Bougoumon. Et nous allons encore la cule côté nous avons fait préparation pour nous prendre asphalte de pont la cule là pour nous entrer vers Goumon. Et je m'ai précisé le boulot, je m'ai précisé le boulot. Très bien. Nous, deux maroses, nous avons fait mouvement de terrassement pour venir vers Goumon. Deux Goumon, nous avons entré là pour nous aller vers Gonaïve. Et de la cul, on a venu vers Goumon. Elle dit nous avons trois équipes qui travaillent normalement et nous avons équipe asphalte là qui ne peuvent jamais camper durant la semaine parce que nous avons un côté qui préparé pour nous mettre asphalte pour nous entrer dans Goumon. La population est très satisfaite et nous avons réellement vu le projet tout. Et regarde la promesse du président de faire ouah, la batterie, et c'est ça nous venons pour nous faire là, pour nous concrétiser tout ça. Nous te dit que nous avons fait sur ça. Si le travail ça y a réalisé sur route Kafou Joffre Port de Paix, rentré dans quatre missions chef d'État Jovenel Moïse pour connecter toute ville, toute section communale dans le pays, yon ak lot. Technicien mobilisé la journée coulant nuit pour comment vous avez fini avec le barrage qui a réalisé dans la localité Marion qui trouvait dans le département nord-est pays. Pour qu'on y a, c'est dans le digue que les techniciens ont travaillé, ça permet de capter de l'eau rivière plus bien. Si le digue a déjà fini, le travail est renforcé dans le digue 1 à digue 2. D'après un technicien qui exprimait qu'il est content pour avancer avancer ça qui fait dans le cadre de travail barrage Marion. Si là, ça veut dire que c'est le barrage qui pourra le barrer la rivière, qui pourra le permettre les rivières à venir, la quantité de l'eau qu'on coule et descend à le gaspiller dans la mer, l'eau ça pas pour le gaspiller encore, l'eau ça pourra le rester pour servir le pays. Nous avons 3 mois devant nous pour nous finir avec Zigza. Le barrage là entièrement, nous avons 3 mois devant nous pour nous finir ensemble avec. C'est ça qu'il faut travailler dans nous comme la journée pour nous capables de guetter.
rattraper temps. Dans 24 mètres de hauteur que nous gagnons là-dedans, là, nous avons attaqué 5 mètres. Ça veut dire que c'était 19 mètres. Dans 19 mètres de hauteur, ça a resté là. Nous sommes capables de citer, si chaque jour nous travaillons, nous faisons 3 couches à 30 cm. Ça fait une bonne 90 cm. Jean-Président dit là, dans 3 mois, nous allons remettre le projet. C'est ça qui fait tout. Nous avons une équipe qui travaille la journée, nous avons une équipe qui travaille la nuit, pour nous capables de terminer le digra. Travail barrage Marion est important en pile pour certains monde qui vivent dans la zone que le travail a réalisé. Un citoyen qui vit dans Marion qui était sous chantier souhaite pour travailler pas camper. On travaille comme ça, tout le monde doit mettre main collaborer pour nous terminer le travail. On va se rivière comme ça, distribuer de l'eau aux paysans. Surtout avec BNDA, on mette là sous pied là qu'on y a, son bagage comme si tout le monde zone dans la. Barrage Marion a plusieurs objectifs. Il doit permettre habitants, agriculteurs à travailler la terre, joindre de l'eau pour arroser jardin, augmenter la production de la pêche là, attirer touristes et puis produire courant électrique dans le pays, spécialement dans la région nord-est. Voilà, équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbes et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.